Le mot qui résume l'année 2015 pour moi serait terrorisme. Concernant l'affaire des coups de feu tirés au 10 rue Nicolas Appert, entre midi et demain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, je dirais peut-être solidarité. C'est les réfugiés. C'est un grand problème. Il y a également, vous le découvrez, des ONG qui se sont installées, qui distribuent des vivres, de la nourriture, des sacs plastiques. Il y a de la boue au sol. Il a beaucoup plus, vous comprenez que dans ces conditions, l'accueil des migrants ici en Hongrie est extrêmement difficile. La Coupe du Monde de rugby, je suis fan. Quel serait le mot qui reflète le mieux 2015 pour vous ? Ben, le mot, c'était un peu difficile. Tristesse. 13 novembre. On est en guerre. J'ai des équipes dessus. On comprend la victime. Dès qu'on charge, on l'emmène à l'hôpital Saint-Antoine. C'est la COP21. Un peu d'espoir par rapport à la COP21 et un développement plus soutenable et sur un autre modèle économique. L'accord de Paris pour le climat est accepté. La FN, évidemment. Ce vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé, mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France, alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. La France. Nous sommes la France. Nous sommes Paris. Je dirais que 2016 sera un peu mieux dans la fraternité, la solidarité, l'amour, l'amitié, et qu'il n'y ait pas d'amalgame surtout. Je t'aime. Ah, Et toi? Moi aussi. Voilà.